Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Comme je vous avais dit hier, je devais aller amener le chien de ma tante au toilettage. Donc du coup, on a profité pour aller à l'action. Et j'avais besoin de quelques trucs. Et Nose, par contre, il y a un arrivage d'articles d'Ofcraft. J'ai jamais été aussi vite à Noz. J'avais que 20 minutes, donc fallait que je prenne. Donc action, on va commencer par là. C'est ce qui est devant moi. J'ai repris des petits pains à l'ail comme ça. J'en ai déjà, mais il m'en reste plus que. Moi j'aime bien avoir d'avance. Puis j'adore ces petits pains. Pain à l'ail, il y a. Bon, à la base, c'est vegan. C'est du pain à l'ail, tout ça. 150 grammes. C'est une tuerie. Moi, j'adore. Après. Ça, je vous montrerai après. J'ai repris aussi. Je connais les blocs. Les papers. Cela. Et je vous ai dit que je voulais reprendre un parce que il y a des papiers dedans. Je ne vous montre pas, vous les connaissez, je vous ai déjà montré. Mais il est quoi? Enfin, celui qui a des fleurs. Attends. Je dois m'arrêter. J'avais montré là les papiers comme ça. J'ai repris le bloc et je me suis dit on va reprendre un deuxième. Parce que si je veux faire un album avec les fleurs, en espérant qu'il y a deux, parce que il y en a un, j'ai pas fait gaffe, il n'y avait qu'une avec les fleurs. Du coup j'en ai repris deux. Voilà ce qu'on dit. Après, j'ai vu ça sur un hall. Ils ont fait des twin markers partout. Alors moi j'ai trouvé que un. Pas une sorte. Et sur une vidéo, j'ai vu qu'il y avait un deuxième. Je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait tout le rayon. C'est toutes les mains. Donc il y a 12 couleurs. Alors la petite mine, elle fait 3 mm. Et l'autre, la grosse, elle fait 6. Donc on a rose, saumon, sont plutôt un beige, jaune, vermillon, violet, pastel, rose foncé, carmin, violet, bleu indien, bleu cobalt, vert foncé et noir. Je trouve le packaging, il est pas mal. Je vais dans les 3-4 euros, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai repris. Et je vous avais dit aussi que je voulais reprendre un planeur, un LED. Et dans l'action où je vais d'habitude, il n'y en a jamais. Donc du coup, j'ai pris celui-là. Bon, c'est. Je voulais un pour noter mon matériel de coloriage. J'en ai un bullet pour qu'on a fait ensemble par mon fabrique. Un bullet pour marquer les livres et j'en voulais un pour marquer le matériel. Donc j'ai pas de choix, j'ai pris celui-là. Alors là c'est une couverture un peu rugueuse comme ça avec le léopard. Peut tâcher quoi c'est mes ouais. Et dedans c'est des feuilles toutes simples ça. À la base c'est un carnet de notes bâti en bois voilà donc il y a 96 pages ouais à 5 96 pages.
Voilà. Et alors moi, je les avais jamais vus. Donc voyons, il y a tous les carnets et tout ça. J'ai pris celui-ci. Il y en avait d'autres, mais je n'aime pas la couleur. Les choses que j'aimerais ne pas oublier. Donc c'est un don't forget. Moi, quand j'ai des trucs importants à noter, ben, ce sera bien de marquer. Donc il y a la date, il y a des étoiles, et après il y a l'étiquette quand à cocher quand vous avez fini. Donc elles sont toutes pareilles. Et il y en a un paquet. Il y a 150 feuilles, tout doux, 80 grammes. Tout ça. Il y avait d'autres pareils, mais tous ceux qui me faisaient le plus. Dans Rayon Scrap, j'ai pris les marqueurs. Là-bas, c'est pour la porcelaine. Et je voulais les pastels. Moi, j'avais les autres. J'avais jamais trouvé les pastels. Donc, il y en a 6. Ils mettent pour la porcelaine. Monsieur Coton, on dit bonjour. Hein, monsieur? Porcelaine, marqueur à base d'eau. En porcelaine. C'est pas très bien traduit. Surface lisse, le verre, la porcelaine, le métal. À conserver horizontalement. Donc, comme ça. Donc, rien, ils sont pas mis à plat. On peut faire tout ça avec. Et moi, j'ai pris les couleurs pastel. Donc, il y a un bleu. Bonjour, Chippy. Un chiffonnette qui est là. Un bleu ciel. On voit les couleurs. Il y en a un bleu ciel, un bleu avec des pois, un jaune, un rose et un mauve. On verra ce qu'il donne. Ensuite, pour toujours faire une bullette, j'ai vu plein de filles qui les avaient achetées. C'est des mini surligneurs comme ça. Ils sont trop mignons. Il y en avait encore des plus petits. Attendez, hop, je vais tomber. Il y en avait des plus petits encore, mais j'aimais pas, ils étaient tout simples. Alors ça, c'est des mini alors qu'ils faisaient. Ils arrivaient là, encore plus petits. Mini marqueur. Donc on a un violet, un peu comme les autres, les pastels. Rose, orange, jaune, vert, pomme, bleu. Ciel et mou. Les couleurs trop belles. Petit dessin dessus. Ça, c'est pour mon bulette. Et pour finir, tiens, on toujours pas d'ail, toujours pas de. Il y a des nouveautés, mais pas d'ail. Il y avait plein de rayons vides, de toute façon. Pareil dans le rayon où j'ai trouvé les blocs. Ils ont fait des nouveaux carnets de sticky notes. Alors moi j'en ai plein que j'utilise pas. Mais ceux-là ils sont trop beaux. Et au bout d'un moment je les utiliserai. Donc ceux-là c'est dans les tons bleus. Enfin différents bleus et argent. Hop. Enfin moi je me sers plus de ça que de ça. Après il y a des formes plutôt sympas. Je me dis que en coller un ou deux puisqu'ils sont fins l'un sur l'autre et faire un tamponnage, ça peut être sympa. Celui-là j'aime beaucoup. Et là on a les stickers. Donc c'est pareil à la base, c'est pour les bullettes. On fait ce qu'on veut avec. Donc j'ai pris les bleus, argent. Il y en avait au moins 6, moi j'ai pris que 3. Je n'aime pas les autres. J'ai pris celui-là avec des rayures. Et là, c'est les couleurs qui m'ont plu. On a différents bleus, noirs et gris. Ils sont super beaux, ça.
J'aime beaucoup les formes. Les sticky notes. Trop simple. Et là, en plus, avec les... Là, on a des bannières. Trop sympa. Pareil, pour mettre sur une créa avec un tamponnagement. Et le troisième, c'est le rose. Rose et doré. Et dedans, moi, ça m'a fait rigoler. On a rouge, rose, doré et vert. Mais regardez. C'est à cause de ça que j'ai pris les pattes de chien ou de chat. Trouvé trop mignon. Et pareil, j'aime bien les formes et sticky notes. Donc, c'est plutôt sympa. J'en ai pas une boîte. Hein. Je trouverai un moment faire quoi avec. Je trouverai quoi faire avec. Voilà ma fiche que j'ai trouvé, oui, à Action. Ici, j'ai pris aussi. Ça, c'est pas pour moi. Ma mère voulait que je prenne des grosses boîtes avec des couvercles à rondelles. Je me rappelle, c'est 41 litres à 5,99. J'en ai pris deux. J'ai laissé dans la voiture. Et ensuite, je vous dis, on est allé à Nozme, alors, en coup de vent. Et j'ai bien fait. Allez, hop. J'ai même pensé à coton. Voilà, si j'arrive à sortir. Je vais me faire charrier. Alors, attendez que je sorte. Hop. Je vous dis, il y avait un marivage de la marque Dofra et la marque au début je trouvais rien. C'est arrivé à la fin des rayons que j'ai trouvé. Voilà. Alors, je vous dis, il y avait un marivage. Ah. La marque Dofra, donc là c'est Secret Garden, c'est les rubans, à 79 centimes. Il y avait deux modèles, mais j'aimais pas les autres. Donc là on a des fleurs, des oiseaux, Happy Day, des feuilles et Just For You. On va avoir 1 mètre, on sera sec. Ouais. Il n'y a pas marqué une... Ça doit être 1 mètre. Ça, pareil de là. Non, pas la même marque. Là, nous avons mis toutes les marques qu'on avait avant. Dofcraft, mais c'est la marque Falkland. Ils ont fait un album Falkland, donc je l'ai. Il a 99 centimes. Ils ont fait les embellissements en bois. C'est tous les mêmes papiers. Il n'y avait que ceux-là, de toute façon. Il y en a 6. 99 centimes. Ça ira bien avec la collection de papier. Et après, la marque Dofra, mais vous savez, couture du jour. Ils ont fait des tampons, comme ça. Tampon transparent à 99 centimes, il y en a 5. Il y a spécial fête, fabuleux, tu es jolie, happy birthday et avec un mot. Trouvé trop sympa, la forme tout génial. Pareil, en cela, il y avait que cela. Où il y avait plein de trucs, il y avait des pompons, il y avait des. Des énamelles d'hôtes, il y avait il y avait plein de bacs. Après moi j'ai fouillé vite. Hein. La marque Simply Creative, j'ai vu ça dans un haul. C'est un tampon alphabet, transparent. C'est tout petit.
Et ça, j'ai trouvé génial quand on veut faire marquer un mot ou quelque chose. On n'a pas forcément le mot. Donc avec ça, ben, ils sont individuels, par contre. Et comme ça, on peut mettre le mot qu'on veut. Ça, c'était 1,99. Il n'y avait que celui-là. On a même les chiffres, point d'exclamation et d'interrogation. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va, moi? Moi? Filou? Chippy a piqué son panier. En caisse, il y avait une boîte avec coton. Je sais plus, je crois que c'est 39 centimes. Je sais plus. La marque Sweet Paris. Il y a 2 mètres. Et des rubans. Alors j'ai pris celui-ci. Avec des couronnes. Ouais, bah c'est plutôt pour une déco longue. J'aime bien. Ça peut faire vintage. Après, j'ai pris Paris. Faut changer. Sympa, il y a la tour Eiffel et des je sais pas comment on appelle ces petits seins, pareil 2 mètres, et j'ai pris un verre à rayures comme ça parce que j'en avais pas du tout, gros grains, ils sont épais. Voilà, j'ai pris juste les 3 là, il y en avait d'autres mais j'aimais pas les couleurs. Voilà. Ah, attends. Hop. Ça va tomber. De la marque pareille d'Opra. J'adore les fins de linge. J'en avais trouvé l'année dernière. Il n'y avait qu'un paquet. Et là, j'en ai retrouvé en couleur pastel. À 1,20€ et il y en a 6. Cela va me servir pour l'album bébé que je dois faire. Enfin, je vais faire un album et j'avais dit que je voulais faire une petite boîte. Donc je mettrai des petites créations dedans. Donc j'ai trouvé super beau. Il y a rose, rose pâle et vert amande avec des petits cœurs. Celui-là, il y avait une autre couleur. Je ne sais plus laquelle, mais je n'aimais pas l'autre. Alors, pareil, Dovecraft. À 99 centimes, c'est des livres de stickers. Il n'y a que des lettres. Alors, j'en ai pris 2. C'est pas les mêmes. Regardez. Ouais, 99. Donc, celui-ci, je vous montre. Il y a des lettres bleues et argent. Et là, j'ai des lettres roses. Pareil, servira pour l'album bébé. On a des petites étoiles. En dessus, il y a des bagues, appareil photo, téléphone, bougie, note de musique, etc. Donc, il y a 2. Un troisième, bah, comme d'hab, hein, les, comme ça, c'est pour le planeur, tu vas me servir enfin, cette planche là pour mon bullette. Oui, il y a 5-6 feuilles. Après, on a celle-ci. Voilà, il y a des tiges pour utiliser sur l'album bébé, comme le petit cœur en bas. Si c'est un garçon, c'est une fille. Mettre un cœur rose. Là, c'est pour différents événements. Il y a Noël, Halloween, fête des pères, jour de la pancake, enfin, les crêpes, Chandler, Pâques. Donc, plutôt sympa. Sur des ATS, par exemple, ça sera très bien. Et là, il y a 2.
Oui, il y a quatre. Il y a quatre planches par petit carnet et le deuxième, il est tout dans les tons rose, vert, monde, bleu, je sais pas quoi. Donc il y a les lettres, les chiffres. Voilà, on a des petits cœurs, pareil, appareil photo, cœur, gâteau, téléphone, des livres Sterling, doit être anglais, je sais pas d'opcraft de quel, d'où ça vient, des petites voitures. Après, on a cela. Voyage. Après, il y a pour la bonne année, les vacances d'été, bah pour les écoles, les vacances d'été, il y a des flèches et cœurs. Ça peut servir pour plein de trucs. J'aime bien les couleurs. Après. Voilà. Après, nous avons, bah, pareil, Halloween, Pâques, mais dans d'autres couleurs. Et tout, il y a 4 pages. Le choix était à 99 centimes. Il n'y avait que ces deux-là, je crois. Ensuite, pour ceux qui avaient pris la marque d'Opra, ça, ils avaient fait en 30-30 et en 20-20, comme ça. Les albums de papier Fairy Tales. Ben là, j'ai trouvé le petit. Ça doit être un 15. Ah, donc, il y a 36 feuilles, il y a 3 de chaque. 150 grammes. Ouais, ça doit, je sais pas, du 15. Attends, je veux dire. Ah non, il fait pas. Il y a du coach. Non, c'est pas du 15. Ça fait 17,5 sur 15,3. Hop. Là, il faut que je vous enlève le scotch. Hop. Bah, essayez de pas couper le papier. Ce truc-là, à chaque fois, moi, je suis d'ici. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Il y avait aussi. Il y en avait plus en rond. Ça, c'est un enfant que j'avais été. 1,99. Je vous montre les modèles derrière. Bon, là, c'est ceux qui sont plus ou moins nus. J'en montre quelques-uns. Bon, moi, j'ai le grand album. Ou c'est même pas. Non, ça doit être des 15 parce que. Le haut, vous voyez, il y a le trou. Mais bon, il peut servir. Oh, du beau, celui-là. J'adore celui-là. Il y a des écritures. Je ne sais pas ce qui est marqué. On a celui-ci. Les papiers qui pourront servir pour mon album. On a les papillons. Oh, il est beau, tu vois. J'adore, tu vois. L'espèce de verre. Ouais, c'est du verre. Papillon. Au moins quelques pages. Hein. Et celui-là. Bon, il est plutôt sympa. Donc, c'est le Fairy Tales. Comme ça, j'ai le grand et le. Enfin, le grand et le petit. J'ai pas le moyen. Et là, alors la grosse surprise,
de la même marque d'Ofcraft Sheraton. Ils ont fait un bloc de découpage à 1,99€. Alors, je coche aussi. Mais là, il y en a moins. Il est plus petit, là. Enfin, c'est les pastilles, en fait. J'ai pas coupé l'album. Voilà. Oui, bien collé. Ouais, même mon cutter a du mal à découper le... Waouh. Alors, l'autre côté... Ouais, côté, il s'est coupé mieux. Alors, je vous montre, c'est... Déjà, on voit là, le modèle. Donc c'est des, on va dire des die cut un peu, pour faire du 3D. Oui, faire du 3D. Il y a même marqué numéro. Donc on a une, deux, il y a trois de chaque. On a celle-ci. Après, vous n'êtes pas obligé si vous ne voulez pas les faire en 3D. Hein. Moi, je trouve qu'ils sont beaux en 3D. Il y a même des petits pour un ami spécial. Il y a des petits sentiments, just for you. Là, j'adore. Là, vous voyez comment ils sont. Il n'est pas obligé de les mettre en 3D, ça. Après, on peut détourer. Il est sympa, ça. Des bouteilles comme ça. Et la dernière. On a ceci. Donc j'ai content de le trouver. Je crois que c'est le seul d'ailleurs qui restait. Et la dernière, on a celle-ci. Ouais. Donc content d'avoir trouvé. Et vous vous souvenez la dernière fois que j'avais été. J'avais trouvé les pochettes là, qui s'ouvrent sur le côté. Il y avait, apparemment, il y avait trois modèles. J'ai vu le deuxième la dernière fois, et j'aimais pas trop. Et là, j'ai pris, il y avait que celui-là, à 50 centimes. Non, j'aurais pris d'autres. C'est le seul qui restait. Donc, celui-là, je vais le mettre derrière avec l'autre. Et je me suis pris le grand bloc comme ça. La dernière fois, il n'y était pas. La marmite modeling correspondante. Après, une fois qu'il est épuisé, on peut très bien se servir de la couverture. Celui-là était à 1,20€. Et après, c'est tout simple. Les feuilles, je sais pas si vous allez voir, en fond, c'est comme sur la couverture derrière. C'est ça, mais en fond. Bon, il est plutôt sympa. Voilà. Ah, je vous disais, j'ai aussi pensé... Attends, je remets tout. À mon loup. J'ai pris les balles. Ça, c'est action, j'avais oublié. Hein, Toto?
Bon, ils préfèrent les toutes petites. À une époque, je trouvais des mini. Et j'en ai encore, hein. Dans moitié 4. Mais bon, il arrête pas de les perdre. Hein. Du coup, j'en ai repris. Ça, c'était Action. Dans le rayon des jouets. Là. Et la dernière chose que j'ai trouvée. Ah, c'est bien. Ah, Nose, c'est des époques, 4,99 €. Je suis tombée là-dessus. Les trucs, ils ferment pas bien en bas. La Reine des Neiges, oui. Donc, c'est Elsa. Il y avait Anna. Anna qui ressemble pas du tout à Anna. Et il y avait Sven. Enfin, il n'y avait que la Reine des Neiges, de toute façon. Anna. Il n'y avait pas les autres. Alors j'ai pris parce que d'habitude ils sont à 8 €. Enfin, c'est pas vraiment une pop. Et là, c'est une pop à 6,90 €. J'en connais une qui va me dire « Ah, tu l'as trop !» C'est Mickey. Donc, c'est pour les 90 ans que j'avais fait ça. Donc, celui-là, c'est Mickey Brave Little Taylor. C'est un peu Mickey Robin des Bois. Et, autrement, il existe ces modèles-là. Mais moi, j'ai trouvé que celui-là. De toute façon, les autres, je me... Si, peut-être, Apprentice Mickey. Celui-là, si j'avais trouvé, j'aurais pris. Les autres, j'ai moins. Il n'y avait pas Mini. Bref, Little Taylor. En vinyle. Celui-là, il va rester dans la boîte, le temps que je fasse mes travaux. Et après, il ira sur une étagère. Je vais en mettre 3 là. Donc plutôt contente. Voilà. C'est cool d'avoir trouvé les pop. Elsa et Mickey. Il n'y avait pas Mini. Dommage. Ils n'ont peut-être pas fait. Sinon il y en avait. Je ne sais même pas les autres. Pas quel dessin animé c'était. Donc voilà, c'était Petit Hall Action. Inos. Logiquement, je vais ranger. Hein. Ça va rester dans un sac avec les autres que j'ai achetés l'autre fois. Une partie qui est rangée. Et ce sera rangé quand je pourrai réaménager mon bureau. Pas tout de suite. Pas avant début juillet. Donc voilà, bah écoutez, je souhaite une bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.